Qui sont les Ahlul Bayt et pourquoi est-ce que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa alayhi n'en font pas partie? Je vais commencer directement par les preuves que nous pouvons trouver dans le Coran Karim. Et si nous l'ouvrons à la sourate numéro 33, verset numéro 33, donc la sourate Al-Ahzab, je vais d'abord commencer par le verset 30 et je vais le lire jusqu'au verset 34. Ô femme du prophète, celle de vous qui commettrait une turpitude évidente aura son châtiment en double, cela est facile pour Dieu. Tandis que celle de vous qui obéit à Dieu et à son prophète et travaille bien, nous lui donnerons deux fois sa récompense et nous avons réservé pour elle un généreux don. Ô femme du prophète, vous n'êtes pas comme le commun des femmes, si vous êtes pieuse, n'affichez nullement d'humiliation dans votre langage. De peur que ne vous convoite quiconque a une maladie dans le cœur, parlez sur un ton qui convient. Restez dans vos maisons, ne vous exhibez pas comme le faisaient les femmes à la première époque de l'ignorance. Accomplissez la prière, donnez l'aumône, obéissez à Dieu et à son prophète. Dieu ne veut que vous éviter l'impureté, ô membres de la famille du prophète, et vous rendre pur excellemment. Rappelez-vous les versets de Dieu et la sagesse qui sont récités dans vos maisons. Dieu est bienveillant, gracieux, il connaît tout. Tout porte à croire que les versets que je viens de lire s'adressent aux femmes du prophète et uniquement aux femmes du prophète. Et nous pouvons le comprendre à travers cette terminaison-là, kunna, donc min kunna. Le kunna est un pronom possessif féminin pluriel. Quand on voit donc ce kunna à la fin d'un terme en arabe, on sait d'office qu'Allah Azzawajal s'adresse uniquement à des femmes. Et cette terminaison-là, elle est présente dans tous les versets. Ici, min kunna, par exemple. Un autre exemple, inni taqaytunna, d'accord. Donc il y a toujours le unna derrière. Encore une fois, buyutikunna. Et dans le dernier verset que j'ai cité, encore une fois, buyutikunna. Donc tous ces versets sont au féminin. Ce qui veut donc dire que tous ces versets concernent les épouses du prophète. Alors, où est-ce qu'on parle des Ahlul Bayt? Les Ahlul Bayt sont mentionnés ici, dans cette partie du verset, à partir de ce point-là, jusqu'à ce point-là. Et Allah Azzawajal dit, « Dieu ne veut que vous évitez l'impureté aux membres de la famille du prophète et vous rendre purs excellemment. » Le terme « membre de la famille du prophète » a été traduit de l'arabe « Ahlul Bayt ». Donc, là on peut dire très bien, Allah Azzawajal s'adresse aux épouses du prophète et les inclut dans les Ahlul Bayt, puisque cette partie de verset se confond avec tout le reste. Mais, il y a un petit détail auquel il faut prêter attention. J'avais dit que tous les versets étaient au féminin, sauf justement cette partie-ci. Cette partie-ci, elle est au masculin. En arabe, cette séparation se fait ici. À partir de là, jusque là. Et on peut lire innama yuridullah liyudhiba ankum. C'est bien kum ici qui est utilisé et non pas kunna. Si cette partie de verset était encore au féminin, on aurait dit innama yuridullah liyudhiba ankunna. D'accord? Rish ahl al-bayt wa yutahhirakum. Encore une fois, tatahira. Ce qui veut dire que jusque-là, il y a au moins un homme qui est concerné par cette partie du verset qu'on appelle le verset de la pureté ou de la purification. Ça ne veut toujours pas dire que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont exclues de ce statut-là. Non, toujours pas. La première preuve dans le Coran al-Karim qui les exclut de ce statut est la suivante. Ici, nous voyons que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux épouses du prophète, il leur dit « وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا » et « Restez dans vos maisons ». « Buyut » est le pluriel du terme « al-bayt ».« Buyutikunna » veut dire « vos maisons », donc au pluriel. Et quand je dis « vos », je ne désigne uniquement que des femmes, parce qu'il y a la terminaison « kunna » ici. Et nous savons très bien que chaque épouse avait sa propre maison. Or, si cette partie de verset ne concerne qu'une seule maison, alors on peut dire que les épouses du prophète ne sont pas toutes concernées par le verset de la pureté. Jusque-là, c'est tout ce qu'on peut dire.
il est possible qu'une seule seulement soit concernée par le verset de la purification, car il n'y a qu'une seule maison qui est concernée. Mais n'oublions pas que la première règle que j'ai énoncée tout à l'heure est que cette partie de verset est aussi au masculin. Et nous savons très bien que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam vivaient seules dans leurs appartements. La preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam possédait plusieurs appartements est ici dans la même sourate au verset numéro 53. Quand Allah azawajal dit « Croyant, n'entrez pas dans les maisons du prophète. « Ya ayyuhalladina amanu, la tadkhulu buyut an-nabi. » Buyut au pluriel encore une fois. On peut encore très bien dire « Oui, mais peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs maisons dans lesquelles il habitait lui sans pour autant habiter avec ses épouses. » Non, détrompez-vous, ce sont bien les épouses qui possédaient leurs propres appartements. Et on peut le prouver à partir des hadiths comme celui qu'on peut trouver dans le Sahih al-Bukhari. Et c'est le Sahih al-Bukhari de l'édition An-Nur, le premier tome, au hadith numéro 355 que voici. Omar bin Abi Salam radiallahu anhu vit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi dans l'appartement de Salama, ce qui prouve que Salama avait son propre appartement. Nous pouvons trouver un deuxième hadith, toujours dans le Sahih al-Bukhari, mais le tome numéro 3 cette fois-ci, et c'est le hadith numéro 5430. Ici, dans une partie, un jour que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, entra dans l'appartement de Aïcha. Ce qui veut dire que Aïcha avait également son propre appartement. Ce qui prouve, ce qui ne fait que confirmer, les paroles d'Allah azza wa jal, lorsqu'il dit « Ne sortez pas de vos maisons, si restez dans vos maisons. » Donc vos maisons au pluriel féminin. Donc pour l'instant, deux preuves ou une preuve qui confirme l'autre. Non seulement le verset change du féminin au masculin, mais en plus il change du pluriel au singulier. C'est-à-dire que non seulement le verset de la purification ne concerne qu'une seule maison, mais en plus elle concerne une maison où vit au moins un homme. Et ce n'est pas le cas des maisons des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La maison où vit au moins un homme est la maison de Fatima al-Zahra alayhi salam, et la maison de Ali alayhi salam. Et nous pouvons encore une fois le prouver dans le Sahih al-Bukhari de la même édition, dans le tome numéro 2 cette fois-ci, au hadith numéro 2613. Et ce hadith dit: Ibn Umar a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit à la maison de Fatima, mais il n'y entra pas. Ali étant venu ensuite, Fatima lui raconta la chose. Ali en parla au prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Ici, la preuve montre que Fatima et Ali alayhi salam vivaient dans la même maison, ce qui est tout à fait logique étant donné qu'ils sont mari et femme. Une deuxième preuve peut-être dans le même tome, au hadith numéro 2122, ici, Abu Hurra, il a dit, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, il s'assit sur le seuil de la demeure de Fatima et s'écria: Es-tu là, petit? Es-tu là, petit? Et la petite note numéro 37 que nous pouvons retrouver ici en bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait désigner Al-Hassan, fils de Fatima. C'est une preuve qui ne fait que confirmer qu'il y avait plusieurs hommes qui habitaient dans cette même maison. Et donc, obligatoirement, le verset de la purification ne s'adresse qu'à ces personnes-là, c'est-à-dire Ali, Fatima, Hassan wa Hussein alayhi salam. La troisième preuve qui montre que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne font pas partie de Ahlul Bayt est la suivante. Dans le Coran al-Karim, à la même sourate, la sourate numéro 33 donc, lisez bien le verset de la purification. Dieu ne veut que vous éviter l'impureté. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a retiré l'impureté des membres de la famille du prophète, des Ahlul Bayt, c'est-à-dire qu'ils sont purs désormais, qu'ils ne commettent pas d'erreurs. C'est impossible pour eux de commettre la moindre des erreurs. Sinon, ils ne seraient pas purs simplement. Et vous rendre purs excellemment.
Wayutahirukum tatahira. Si c'était Wayutahirukum simplement, on aurait pu dire, ok, c'est une pureté qui n'est pas absolue. Mais lorsqu'il y a Wayutahirukum tatahira, cette insistance montre bien que c'est une pureté qui touche absolument tous les domaines. Et encore une fois, le verset numéro 30 de cette même sourate prouve bien que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, peuvent ne pas être pures et donc automatiquement ne sont pas concernées par cette partie de verset. Ici, ô femmes du prophète, celles de vous qui commettraient une turpitude évidente aura son châtiment en double. Cela montre bien que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, ne sont pas immunisées contre l'erreur. Elles peuvent commettre des turpitudes. Et c'est encore plus confirmé par la sourate At-Tahrim, qui est la sourate numéro 66, où nous pouvons lire: quand le prophète confia un secret à une de ses épouses, mais elle en fit part à une autre, Dieu en avisa le prophète. Le prophète fit connaître à son épouse une partie de ce qu'il savait et passa l'autre partie sous silence. Quand il lui fit savoir, elle demanda: qui t'a informé? Le prophète dit: l'omniscient, celui qui connaît tout, m'a avisé de cela. Si vous revenez toutes deux repentantes à Dieu, donc si vous vous repentez à Dieu, c'est bien pour vous, parce que vos cœurs se sont dévoyés. À ce moment-là, lors de ces faits, les cœurs des épouses qui sont concernées par le verset se sont déviés du droit chemin, se sont dévoyés. Mais si vous vous prêtez assistance contre lui, donc contre le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, il a Dieu pour protecteur, et Gabriel, et les croyants vertueux, et les anges de surcroît pour aide. Bien, maintenant, je vais vous montrer les narrations qui montrent explicitement qui sont les Ahlul Bayt, alayhum salam, d'une part, et d'autre part, qui prouvent que les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'en font pas partie. Nous allons faire appel au Sahih Muslim de l'édition Al-Hadith, c'est le cinquième tome, la traduction français-arabe ou arabe-français, le hadith numéro 6221. C'est un hadith qui est rapporté par Aïcha. Un matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti vêtu d'un manteau comportant des motifs de sel fait en poil noir. Al-Hassan ibn Ali, donc le fils de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, arriva et le mit à l'intérieur du manteau. Ensuite, Al-Hussein, donc le frère d'Al-Hassan, vint et il entra avec lui. Puis ce fut le tour de Fatima et il l'a mis également sous son manteau. Ali se présenta ensuite et il le fit entrer sous le manteau. Puis il dit: Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison, et vous purifier pleinement. Innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rijsi ahlil bayt wa yutahhirukum tatheera. C'est à ce moment-là d'ailleurs, nous voyons bien à côté de la petite note, donc c'est bien le Coran Al-Ahzab, le sourate numéro 33, celle que je vous ai lue tout à l'heure. C'est à ce moment-là que cette sourate a été révélée et descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Donc là, le prophète a explicitement désigné qui sont les Ahlul Bayt et a explicitement montré à travers cette narration que quatre personnes seulement sont concernées par le statut des Ahlul Bayt. Et ces quatre personnes sont Ali, Fatima, Hassan et Hussein alayhum salam. Ce qui ne fait qu'aller dans le sens du Coran al-Karim, bien évidemment. Alors, un autre hadith que je peux vous montrer un peu avant, qui est le 6228, juste ici, qui est rapporté par Zayd ibn Arqam. Et une partie du hadith dit: nous demandâmes alors qui sont les gens de sa maison, les Ahlul Bayt, ses épouses. Il répondit: non, par Allah. Il arrive que la femme demeure un certain temps avec l'homme, puis qu'il la répudie et elle retourne chez son père et les siens. Les gens de sa maison sont ses ascendants et ses proches qui n'ont pas droit à l'aumône après sa mort. Donc là, il est clair et net et précis que les épouses du prophète sont exclues de ce statut. Elles ont néanmoins leur propre statut qu'on appelle les mères des croyants. Et c'est dans le Sahih Muslim, ce n'est pas n'importe quelle référence. Je vais vous montrer, Inch'Allah, encore une preuve qu'on peut trouver dans le Jami' al-Tirmidhi de l'édition Darus Salam. C'est le volume numéro 5 et c'est la traduction anglais-arabe. Dans le hadith numéro 3205, juste là,
C'est un hadith qui est rapporté par Omar bin Abi Salama, radiallahu anhu. Et il dit, when these ayats were revealed to the Prophet, sallallahu alayhi wa alayhi, Allah only wishes to remove the rishs from you, all members of the family, and to purify you with a Torah of purification in the home of Salama. Donc, ce verset a été révélé dans la maison de Salama. He called for Fatima, Hassan, Hussein, and wrapped them with a cloak, and Ali was behind him. So he wrapped him in the cloak. Then he said, O Allah, these are the people of my house, so remove the rish from them and purify them with a froth purification. So Salama said, and I, Prophet of Allah. He said, you are in your place, and you are upon goodness. C'est un hadith sahih. Non seulement ce verset a été révélé dans la maison de Salama, et cette scène avec le manteau s'est produite dans la maison de Salama. Mais en plus, Salama a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa alayhi pour savoir si elle aussi pouvait faire partie d'Ahlul Bayt. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a répondu, non, toi tu restes à ta place et tu es bien là où tu es. Cela confirme que les femmes du prophète ont un autre statut que celui d'Ahlul Bayt. Elles ne peuvent pas en faire partie, simplement car elles ne sont pas assujettis et ne sont pas exemptés de faire des erreurs. Bien. Nous avons donc réussi à prouver par le Sahih Muslim, par le Jami' al-Tirmidhi, par le Sahih al-Bukhari et par le Qur'an al-Karim que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa alayhi ne font pas partie des Ahlul Bayt, mais que cependant elles avaient leur propre place. La question à se poser désormais, les Ahlul Bayt alayhum salam, qui sont donc Ali, Fatima, Hassan et Hussein, pourquoi ont-ils été désignés par Allah Azzawajal? Pourquoi eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie pour mériter cette désignation-là? Je veux dire, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait d'autres enfants. Il n'avait pas que Fatima alayhi salam. Et pourtant, c'est elle qui a été désignée pour faire partie de Ahlul Bayt. C'est sur elle qu'est descendue la purification. Et croyez-moi que c'est un statut qui ne peut pas être accordé à des personnes simples, à des personnes qui ont de simples mérites, qui font simplement les choses. Non. À travers la vie de Ali, de Fatima, de Hassan et de Hussein, nous nous rendons compte en lisant leur biographie, en lisant les narrations, qu'ils ont pleinement mérité ce statut-là. Que ce qu'ils ont accompli dans leur vie n'a été accompli par aucun autre compagnon, aucun autre musulman, mis à part le prophète, évidemment, sallallahu alayhi wa alayhi. Car si la purification serait descendue sur la fille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, rien que parce qu'elle est la fille du prophète, alors il y a favoritisme. Alors on peut dire, astaghfirullah, que Dieu a préféré choisir sans aucune raison Fatima alayhi salam aux autres filles du prophète. Non, évidemment ce n'est pas possible. Donc il y a des raisons qui ont fait que Ali, Fatima, Hassan et Hussein ont été choisis. Salat wa salam ala nabi wa ala ali baytih al-tahirin. Et vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que nous disons Ahl Bayt al-Tahirin, les gens de sa famille les purifiés. Ce n'est pas une innovation, ce n'est pas une invention, ce n'est pas un statut qui est plus grand que ce que les Ahlul Bayt méritent. C'est simplement Qur'an Karim qui dit que ces personnes-là sont Tahirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alayhi salam est normalement une formule que l'on utilise uniquement pour les prophètes. Pourquoi est-ce que tu leur donnes plus de mérite, plus de valeur qu'ils n'en ont réellement? Et la première réponse qui m'est venue à l'esprit comme ça, c'est de dire, tout le monde dit cette formule, aussi bien ceux qui m'ont posé la question que moi, que n'importe qui d'autre, tout le monde l'a dit au moins 5 fois par jour, mais on ne s'en rend pas compte. Regardez, dans Sahih al-Bukhari, donc toujours la même édition, le tome numéro 2, au hadith numéro 3370 ou 3370, qui est rapporté par Abdurrahman ibn Abi Layla. Ayant rencontré Ka'b ibn Ujra, celui-ci lui dit, « Veux-tu que je t'offre un récit que j'ai entendu de la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi ?»« Certes, oui, répondit Abdurrahman, offre-le-moi. » Nous interrogeâmes, reprit-il, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa alayhi, en lui disant, « Comment doit-on prier sur vous, ô gens de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi ?» Car Dieu nous a précédemment enseigné comment nous devions saluer le prophète. « Dites, répondit le prophète, ô mon Dieu, Allahumma, ô mon Dieu, répands tes bénédictions sur Mohammed,
et sur sa famille, comme tu as répandu tes bénédictions sur Abraham et sur la famille d'Abraham. Tu es le louangé, le glorieux. Ô mon Dieu, bénis Mohammed et la famille de Mohammed, comme tu as béni Abraham et la famille d'Abraham. Tu es le louangé, le glorieux. En arabe, ça donne Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kamma sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barak ala Muhammad wa ali Muhammad. Kamma barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. C'est la shahada ibrahimiya. Et nous la disons au moins 5 fois par jour. Et si nous analysons bien ce que nous disons dans cette shahada, nous disons bien Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de prier et d'apposer ses bénédictions sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et sur la famille du prophète. Si on décortique cette formule et qu'on veut faire moins court et plus compliqué, on peut très bien dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali wa ala Fatima wa ala Hassan wa ala Hussein, parce que ces quatre-là font partie de Ali Muhammad. Alors si cette formule est dite dans la Shahada quotidiennement 5 fois, pourquoi est-ce que je ne peux pas dire Ali alayhi salam ou Fatima alayhi salam? C'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, même Al-Bukhari dit Ali alayhi salam. On peut lire au hadith numéro 2089 en arabe Anna Aliyan alayhi salam. Donc, c'est une formule que même Al-Bukhari utilise. Et aussi pour Fatima, alayhi salam, ici, au hadith numéro 3705. Anna Fatima, alayhi salam. Et encore, on peut le trouver dans un autre tome du Sahih Al-Bukhari, qui, je vais vite vous le montrer pour que vous en soyez satisfait. C'est le tome numéro 3. On peut encore lire ici Ali, que sur lui soit le salut. Donc, Qala Ali alayhi salam. C'était le hadith numéro. Il n'y a pas de numéro, mais c'est le hadith, ce qui suit le hadith 4852. Et nous pouvons encore voir le hadith, un hadith qui regroupe non seulement les Ahlul Bayt, donc les quatre désignés, dans la formule alayhi salam, mais également la génération suivante. Nous pouvons voir ici au hadith numéro 4003, Akhbarna Ali ibn Hussein, Anna Hussein ibn Ali, alayhum salam. D'accord? Et dans le même hadith un peu plus loin, confirmation pour Fatima alayhi salam, bi Fatima alayhi salam. Donc dire alayhi salam n'est pas une innovation, n'est pas dans le but de donner une position qui est plus élevée que ce que les Ahlul Bayt alayhum salam méritent. C'est une formule qui peut se dire, qui se dit, qui est confirmée par Al-Bukhari, qui est confirmée par la théorie de la Shahada. Et en plus, je pourrais même aller plus loin en disant que dans la Shahada, nous disons Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dieu, oh mon Dieu, prie sur la famille de Mohammed. Donc je peux très bien aussi dire Ali, salawatullah alayh. Ah oui, Allahumma salli ala Ali Mohammed. Si je demande à Dieu de prier sur la famille de Mohammed, sallallahu alayhi wa alayh, je ne peux pas dire la famille de Mohammed, que les prières de Dieu soient sur elle. C'est exactement la même chose. Et je peux même encore aller plus loin que ça. Car si nous mettons les deux formules ensemble, aussi bien celle que nous pouvons trouver dans le Bukhari, donc la alayhi salam, et celle que je viens d'énoncer, donc salawatullah alayhi, qui n'est que la shahada dit autrement, dit avec les mêmes mots mais inversés, c'est comme si je disais, je suis dans mon bureau je suis, c'est exactement pareil. Si nous mélangeons donc ces deux formules, on pourrait très bien dire, Ali, par exemple, Ali, salawatullah wa salamun alayh. Il n'y a rien qui l'interdit. Tout va dans ce sens. On peut très bien le dire. Fatima salawatullah wa salamun alayha. Ça se dit. Alors, pour ceux qui m'ont fait la remarque, vous pouvez vous révolter autant que vous voulez. Je suis désolé, mais Sahih al-Bukhari.
Bon, et la troisième explication, car là je viens d'en donner deux, la shahada et l'épreuve dans le Bukhari, c'est justement, alayhi salam ne veut rien dire d'autre que salam alaykum. Quand je croise un ami dehors, je lui dis salam alaykum. Si je dis ça, si je dis que la paix soit sur toi à un ami que je croise à l'extérieur, pourquoi ne pourrais-je pas le dire à Ali, alayhi salam, qui, nous le savons, était plus proche du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, que n'importe qui d'autre. Ce ne serait pas correct de ne pas lui dire alayhi salam, justement. Justement, ce qui n'est pas correct, par contre, c'est de dire radiallahu anhu. Ah oui, parce que radiallahu anhu veut dire que Dieu l'agrée. Mais l'agrée où? Ben, l'agrée au paradis, bien sûr. Mais nous savons à travers les hadiths, à travers les narrations et les textes, que Ali alayhi salam, que les Ahlul Bayt sont déjà au paradis. Ils sont déjà agréés au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala les a purifiés. Alors il est inutile de dire radiallahu anhum. Il faut dire alayhum salam. Ou salawatullah alayhum. Alors, Ali, salawatullah wa salamun alayh, est né plus ou moins vers l'année 600, soit 30 années après le prophète, sallallahu alayhi wa alayh. L'endroit de sa naissance est bien connu de tous, et je pense que cela fait partie d'une de ses qualités exceptionnelles, la première qualité donc, à laquelle il a eu droit, de laquelle il a bénéficié, puisqu'il est né à la Mecque, et pas n'importe où, puisque ce fut le premier être humain à avoir vu le jour à l'intérieur de la Kaaba. C'est plus ou moins 10 années après sa naissance, donc à l'époque de la révélation, où Ali salawatullah wa salam alayh a embrassé l'islam. Ce fut d'ailleurs le premier homme à avoir adhéré à l'islam de Muhammad sallallahu alayhi wa alayh. Et nous pouvons le confirmer et le prouver en lisant la narration qui se trouve dans le Jami' al-Tirmidhi, le volume numéro 6, traduit par Abu Khalil de l'arabe vers l'anglais, et c'est l'édition Darus Salam. Nous pouvons trouver le hadith en question, c'est le hadith numéro 3734 où Ibn Abbas dit: Ibn Abbas said, the first to perform salat was Ali. Nous pouvons voir également un autre hadith qui parle de cela, c'est le 3735 où nous pouvons lire: A man from the Ansar narrated that Zayd ibn al-Arqam said, the first to accept Islam was Ali. Donc le premier à accepter l'islam était Ali. Et nous pouvons voir dans la suite du hadith qu'un rapporteur va contredire cette vérité. Regardez. Amr ibn Murrah said, so I mentioned that to Ibrahim al-Nakhai, so he rejected that and said, the first to accept Islam was Abu Bakr as-Siddiq. C'est un hadith qui est sahih. Ce qui s'est passé donc ici, c'est que Zayd ibn al-Arqam a dit le premier à accepter l'islam était Ali, et Amr ibn Murrah, qui est un des rapporteurs de la chaîne de cette première partie de hadith, a dit qu'il a raconté ce hadith à Ibrahim al-Nakhai, et que Ibrahim al-Nakhai a rejeté ses dires en disant non, le premier à accepter l'islam était Abu Bakr as-Siddiq. Ibrahim al-Nakhai se trompe clairement sur cette affirmation, puisque nous savons de manière unanime que Ali ibn Abi Talib, salawatullah wa salam alayh, fut le premier à accepter l'islam. Et on peut le retrouver dans tellement de sources, malheureusement je ne les ai pas ici, mais je peux vous les mentionner. Comme dans, par exemple, Tariq al-Tabari dans le volume numéro 2, ou Tariq ibn Kathir dans le volume numéro 3, et même dans Sawa'iq al-Muhriqa de Ibn Hajar al-Makki dans le chapitre numéro 9. C'est un fait. Ali alayhi salam, malgré son jeune âge, fut la première personne à avoir accepté l'islam après Khadija, bien évidemment, la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Ce qui est tout à fait logique, ce qui est tout à fait normal, puisque Ali ibn Abi Talib alayhi salam a grandi à côté du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, qui n'est autre que son cousin. Et pendant plusieurs années, ces trois personnes, donc le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, Khadija et Ali alayhi salam, furent les trois seuls musulmans sur terre. Et Tabari confirme dans son Tarikh que Abu Bakr a embrassé l'islam alors qu'une cinquantaine de personnes l'avaient déjà précédé.
Et c'est un fait historique qu'on peut trouver dans Tarikh al-Tabari, le volume numéro 2. Je n'ai malheureusement pas sous les mains, mais je vous invite à faire vos recherches là-dessus. Et vous trouverez, inshallah, que Ali alayhi salam fut bien le premier à avoir embrassé l'islam. Certains me diront, oui, mais c'était encore un enfant. Il avait plus ou moins 10-13 ans. Donc Ali alayhi salam était le premier enfant à avoir accepté l'islam et non le premier homme. Et d'autres qui iront un peu plus dans l'extrême pourront me dire, oui, mais l'imam Ali alayhi salam n'avait que 10 ou 13 ans à cette époque, donc il n'avait pas encore acquis la maturité nécessaire que pour accepter l'islam de manière sincère et de manière intelligente. Mais cela peut aussi être facilement contesté, puisque n'oublions pas que l'imam Ali alayhi salam a été élevé par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, comme mentionné ici. In this way, Ali was raised in the hands of the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi. It was natural for Ali to accept Islam. Ce fut donc un geste naturel pour Ali ibn Abi Talib alayhi salam d'accepter l'islam, puisque c'est le Prophète sallallahu alayhi wa alayhi qui l'a invité à l'accepter. Alors, réfléchissez bien à cette situation. Lorsque le Prophète sallallahu alayhi wa alayhi a invité Ali alayhi salam à accepter l'islam, est-ce qu'on peut dire qu'il ne savait pas, donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas qu'un enfant pouvait manquer de maturité pour accepter sa religion? Dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas, c'est automatiquement dire qu'il était ignorant des conséquences de son acte, des conséquences de son invitation. Or, c'est une chose qui est impossible, puisque nous savons tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit avant ou après avoir reçu la révélation, ne peut pas être imputé d'ignorance. Et si on dit qu'il le savait, donc si on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que Ali alayhi salam était trop jeune pour accepter l'islam et que malgré ça, il l'a quand même invité à accepter l'islam, alors son geste devient totalement absurde. Et dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam agit de manière absurde est un signe de mécréance ou d'hypocrisie. Donc l'un dans l'autre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait très bien ce qu'il faisait et savait pour quelle raison est-ce qu'il a invité Ali alayhi salam à devenir musulman malgré son bas âge. Il le considérait simplement comme étant digne d'accepter cette religion. Il n'est donc pas correct de dire que l'imam Ali alayhi salam à accepter l'islam de manière totalement aveugle. Pour ceux qui m'écoutent et qui ont des enfants, des petits frères, des petites sœurs, des cousins, des cousines, seriez-vous capable de m'affirmer que vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos cousins et cousines ne seront considérés comme étant musulmans qu'après avoir atteint 13, 15, 17, 20 ans? Non, bien évidemment. Votre jeune entourage est musulman depuis la naissance, bien évidemment. Et n'oublions pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé d'apprendre à nos enfants à prier à un âge qui était plus jeune que l'âge de l'imam Ali alayhi salam lorsqu'il a accepté l'islam. Vos enfants doivent maîtriser la prière déjà à l'âge de 7 ans. Certains disent 5, d'autres disent 7. Et à cet âge-là, qu'est-ce que vous leur dites? Masha'Allah, mon fils, ma fille a commencé à prier, il a commencé à pratiquer la religion. Est-ce que ça veut dire qu'avant ça, il n'était pas musulman? Ou qu'il n'avait pas la maturité nécessaire que pour comprendre l'islam, que pour comprendre qu'il n'y avait qu'un seul Dieu? Ou comprendre les bases simples de l'islam? Non. Et d'où est-ce qu'ils l'apprennent? Ils l'apprennent de vous. Ils l'apprennent en premier lieu de leurs parents. Est-ce que leurs parents sont des prophètes? Eh bien, n'oubliez pas que le premier professeur de l'imam Ali alayhi salam fut le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et pas n'importe quel prophète. Le meilleur des prophètes, c'était le meilleur homme de toute l'humanité. Alors vos enfants, qui n'ont pas comme professeur les personnes les plus pieuses de l'humanité, peuvent être considérés comme étant musulmans dès l'âge de 2, 3, 4, 5 ans. Mais l'imam Ali alayhi salam ne peut pas être considéré comme étant musulman. À l'âge de 10 ans déjà, c'est un dialogue qui n'a ni queue ni tête, qui est dénoué de toute raison. L'imam Ali alayhi salam fut bien la première personne masculine à avoir embrassé l'islam. Ce fut d'ailleurs aussi le premier homme, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ne jamais être passé par une période polythéiste. Ils ont toujours cru en un seul et unique Dieu. Alors, deuxième hadith mettant en évidence
une des vertus de l'imam Ali alayhi salam. On peut le trouver dans le Musnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal, c'est le volume numéro 1, traduit de l'arabe à l'anglais par Nasiruddin al-Khattab, l'édition Darus Salam. Nous pouvons trouver au hadith numéro 1287 la narration suivante. It was narrated from Ali alayhi salam that when the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi sent him with Bara'a, donc Surat al-Tawbah, he said, O Prophet of Allah, I am not eloquent or a good speaker. He said, donc le Prophet sallallahu alayhi wa alayhi dit, I have no choice but to go myself or send you with it. Ali said, if that is the case, I have no choice but to go. He said, go and Allah will make your tongue steadfast and guide your heart. Then he placed his hand over his mouth. C'est un hadith qui est Hassan, because of corroborating evidence, dû au fait qu'il est rapporté dans plusieurs autres ouvrages. Ici donc, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a confié une mission très importante à Ali alayhi salam, qui est celle d'aller réciter les 10 premiers versets de la sourate Tawba à un certain peuple. Nous avons plus de précisions sur ce célèbre événement un petit peu plus loin, au hadith numéro 1297. Et nous pouvons lire: It was narrated that Ali alayhi salam said, when 10 verses of Bara'a Surat At-Tawbah were revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi, he called Abu Bakr, donc le prophète a appelé Abu Bakr, and sent him to recite them to the people of Mecca. Then the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi called me, donc Ali, and said to me, catch up with Abu Bakr, and wherever you meet him, take the document from him and take it to the people of Mecca and read it to them. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi demanda à Ali alayhi salam de rattraper Abu Bakr, de s'emparer des documents qu'il a en main pour aller réciter le début de cette sourate lui-même. Et c'est ce qu'il a fait. I caught up with him at Al-Juhfa and took the letter from him. Abu Bakr went back to the prophet and said, O messenger of Allah, has something been revealed concerning me? Donc ici on peut voir que l'imam Ali effectivement a rattrapé Abu Bakr comme lui avait demandé le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, à un endroit qui s'appelle Al-Juhfa. Al-Juhfa se trouve encore à plus ou moins 900 km de la Mecque. Ça veut dire que Abu Bakr venait à peine de partir de l'endroit où il était. Donc cette décision de changer le responsable de la transmission du message a été faite dès le départ. Et lorsque Abu Bakr est revenu bredouille vers le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a posé une question qui était révélatrice, mais que j'aborderai dans un sujet prochain inshallah. Il lui a demandé: « Oh prophète de Dieu, est-ce que quelque chose a été révélé à propos de moi ?» Bien. He said, no, but Jibril came to me and said, no one should do this for you except you or a man of your family. Alors le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a répondu à Abu Bakr, non, il n'y a rien qui a été révélé à propos de toi, mais l'ange Gabriel est venu me voir en me disant que personne ne devrait s'acquérir de cette tâche sauf toi-même ou quelqu'un qui appartient à ta famille. Donc on voit bien là que c'est Allah subhanallah wa ta'ala qui a voulu que Ali ibn Abi Talib alayhi salam aille transmettre ce message. C'est un ordre divin étant donné qu'il lui est parvenu par l'ange Gabriel. Et une petite remarque, a man of your family, donc un homme de ta famille, a mal été traduit, c'est plutôt rajulun mink, donc un homme de toi, un homme qui provient de toi. A man of your family aurait normalement dû être traduit par l'arabe rajulun min ahlik, si on voulait vraiment que cela signifie cela. Mais le texte original étant en arabe, rajulun mink veut dire un homme qui provient de toi. Alors on pourrait me poser la question: comment ça se fait que d'abord le prophète sallallahu alayhi wa alayhi voulait envoyer Abu Bakr, et comme il ne dit rien sous l'effet de la passion et que tout ce qu'il dit est une révélation inspirée, pourquoi est-ce qu'il n'a pas confié cette mission à Ali alayhi salam dès le départ? Je ne pense pas qu'il existe une source qui explique cela, mais je pense que si le prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait demandé directement à Ali ibn Abi Talib alayhi salam d'aller transmettre ce message, ça aurait été totalement ordinaire.
et nous n'aurions pas pu comprendre la supériorité qu'avait Ali alayhi salam par rapport à d'autres compagnons. Et cette version où Abu Bakr est revenu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tellement répandue dans plusieurs ouvrages différents qu'elle est incontestable. Je vous invite à faire vos recherches là-dessus, inshallah. Alors nous venons de voir que Ali alayhi salam était du prophète, ce qui est tout à fait normal étant donné qu'ils ont le même sang et qu'ils proviennent de la même famille, d'autant plus que Ali alayhi salam fut le premier élève du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aussi provient de Ali alayhi salam, ce qui les place exactement au même niveau. Comment voulez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam provienne de Ali alayhi salam alors que Ali alayhi salam ne lui a apparemment rien enseigné? Il n'est pas d'apparence supérieure au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, cette déclaration prouve bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le considérait comme étant bel et bien au même niveau que lui. On peut trouver cette preuve dans le Jami' at-Tirmidhi que je vous ai montré tout à l'heure, le volume numéro 6 toujours. Et c'est le hadith numéro 3719, où il est raconté: Hubshay ibn Junada narrated that the messenger of Allah sallallahu alayhi wa said, Ali is from me and I am from Ali. Donc Ali est de moi, comme je viens de l'expliquer par rapport au hadith qu'on a trouvé dans le Musnad Ahmad ibn Hanbal, et je suis de Ali. Et regardez la suite. And none should represent me except myself or Ali. Et c'est un hadith hasan. Et personne ne peut me représenter excepté moi-même ou Ali. Ce qui confirme que les tâches attribuées à la mission divine du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peuvent être accomplies que par lui-même, que par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou par Ali. Et personne d'autre. Nous voyons bien ici qu'il est marqué, and none should represent me. Et personne ne devrait me représenter, mis à part deux personnes qui sont lui-même ou Ali alayhi salam. C'est maintenant qu'on arrive à comprendre pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi a envoyé Ali alayhi salam pour réciter les 10 premiers versets de la sourate At-Tawbah aux gens de la Mecque. C'est car la mission principale d'un prophète est de transmettre et de répandre le message divin. Et que personne ne peut le faire dans le cas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mis à part lui-même, ou Ali. Déjà, on en arrive là, on peut se dire stop. Ali a bien plus de vertus, a bien plus de qualités et a une position beaucoup plus élevée que n'importe quel autre compagnon. Car non seulement il a été purifié par Allah Azawajal. Plus de ça, il est considéré par le prophète sallallahu alayhi wa comme étant une partie de lui-même, et lui-même se considère comme étant une partie de Ali alayhi salam. Et enfin, nul ne peut représenter le prophète mis à part lui-même ou Ali. Et je vous défie de trouver des qualités chez des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa qui seraient supérieures à celles de Ali alayhi salam. Attention, ce que je suis en train de dire, c'est que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été fidèles au prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient tous des gens de bien. Ils avaient tous des qualités immenses, énormes, et on ne peut pas nier leur piété. Mais leur mérite, leur qualité, leur piété ne pourra en aucun cas être comparée à celle de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, car cette dernière sera toujours supérieure. Rien qu'avec le peu de hadith que nous avons maintenant, il est clair que Ali alayhi salam et le prophète sallallahu alayhi wa alayhi étaient comme des frères. Et nous pouvons confirmer cette déclaration en allant vers le célèbre hadith qui parle de Harun et de Moussa. Dans le Jami' at-Tirmidhi, il est toujours le même volume, je ne l'ai pas changé. Nous pouvons aller au hadith numéro 3731, où nous pouvons lire: Jabir bin Abdullah narrated that the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi said to Ali, You are to me in the position that Harun was to Musa, except that there is no Prophet after me. Et c'est un hadith sahih. Tu es par rapport à moi dans la même position qu'a été Harun pour Musa, à l'exception qu'il n'y aura pas de prophète après moi. C'est un hadith qui est répandu dans d'autres ouvrages évidemment, comme dans le Sahih Muslim, le tome numéro 5, l'édition Al-Hadith,
le hadith numéro 6220. Regardez bien, ce hadith est très important. Il va également servir pour démontrer un autre fait plus tard, inshallah. Écoutez bien, très important. Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui avait donné un ordre à Sa'd, demanda: qu'est-ce qui t'a empêché d'insulter Abu Turab? Abu Turab, c'est Ali alayhi salam. Il répondit: tant que je me souviendrai de trois choses que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi lui a dites, je ne l'insulterai point. Posséder l'une de ces choses, une seule de ces choses, mais plus chère que les chameaux roux. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi lui confier Médine lors de l'une de ses expéditions. Ali lui dit alors: ô messager d'Allah, me confies-tu la responsabilité des femmes et des enfants? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi lui répondit: n'es-tu pas satisfait d'avoir par rapport à moi le même rang que Haroun vis-à-vis de Moussa, sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi? C'est donc un hadith qu'on peut trouver dans le Sahih Muslim, qui est révélateur et qui confirme ce lien de fraternité qu'il y avait entre le prophète sallallahu alayhi wa alayhi et Ali alayhi salam. Et pour les sceptiques, nous pouvons également retrouver ce même hadith dans le Sahih al-Bukhari, mais en d'autres termes et un peu plus court. C'est le Sahih al-Bukhari, donc de l'édition An-Nur, le tome numéro 2, et c'est le hadith numéro 3706 où nous pouvons lire: d'après Sa'd ibn Waqqas, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit à Ali: n'es-tu pas satisfait d'être vis-à-vis de moi dans la situation d'Aharon à l'égard de Moussa? Voilà. Donc nous pouvons ici clairement comprendre que Ali avait donc une position par rapport au prophète sallallahu alayhi wa alayhi qui était égale à la position qu'avait Haroun alayhi salam par rapport à Moussa alayhi salam. Sauf qu'il n'avait pas la qualité de prophète, qu'il n'avait pas reçu la prophétie, la révélation. Et je dément totalement les rumeurs qui courent comme quoi l'ange Gabriel se serait trompé lors de la révélation et a fait descendre la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa alayhi au lieu de la faire descendre sur Ali alayhi salam. C'est totalement faux et cela entre en contradiction avec tous les textes religieux que nous pouvons trouver, et en premier lieu le Coran. À la sourate numéro, une petite parenthèse ici si vous me permettez, à la sourate numéro 66 verset numéro 6, nous pouvons trouver qu'Allah azawajal dit: croyants, préservez vous-mêmes et les vôtres d'un feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, surveillés par des anges rudes et sévères, ne désobéissant pas à Dieu en ce qu'il leur ordonne et exécutant ce qui leur sera commandé. Les anges ont été créés dans le but d'obéir à Allah Azzawajal. Une fois qu'il leur donne un ordre, cet ordre n'a d'autre choix que d'être exécuté. Donc dire que l'ange Gabriel s'est trompé lors de la révélation serait dire qu'Allah Azzawajal s'est trompé aussi, ou astaghfirullah, ce n'est pas possible évidemment. Donc voilà, je ferme la parenthèse ici et je continue par rapport au statut que Ali ibn Abi Talib alayhi salam a vis-à-vis du prophète. Alors qui était Haroun par rapport à Moussa? Le Coran al-Karim peut nous le montrer. Par exemple, à la sourate numéro 7, verset numéro 142, où nous pouvons lire: nous fîmes promesse à Moussa d'une rencontre de 30 nuits, que nous complétâmes par 10, la durée de la rencontre avec son Seigneur paracheva en 40 nuits. Moussa dit alors à son frère Haroun: remplace-moi auprès de mon peuple, fais ce qui est bon et ne suis pas la voie des corrupteurs. On peut clairement voir ici donc que Haroun est le remplaçant de Moussa alayhi salam lorsqu'il n'est pas là, lorsqu'il est absent. Et il en va de même pour Ali alayhi salam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alayhi n'est pas là, est absent, Ali alayhi salam a pour but, a pour rôle de le remplacer. Que peut encore nous dire Qur'an al-Karim sur la situation, sur la position qu'avait Haroun alayhi salam par rapport à Moussa alayhi salam? Regardez, la sourate numéro 20, à partir du verset numéro 25. Moussa dit: Rabbi shrahli sadri, donc Seigneur, ouvre-moi mon cœur, rends-moi facile ma tâche, dénoue le nœud de ma langue,
qu'ils comprennent ma parole, donne-moi un assistant issu de ma famille, Haroun, mon frère, fortifie-moi par lui, associe-le à ma tâche, que nous célébrions beaucoup ta transcendance et nous souvenions beaucoup de toi. Et toi, tu es toujours clairvoyant sur nous. Et Allah Azzawajal dit, ta demande est exaucée, ô Moïse. Donc, Ali salawatullah wa est le frère du messager sallallahu alayhi wa. Et le messager sallallahu alayhi wa se sent plus fort à travers Ali alayhi salam. Et Ali alayhi salam est associé à la tâche de Rasul sallallahu alayhi wa. Masha'Allah. Et regardez encore un verset ici. C'est le verset de la sourate numéro 25. Le verset numéro 35. Nous avons donné l'écriture à Moussa et lui avons adjoint son frère Haroun comme assistant. Confirmation de ce que je viens de dire donc. Et un verset un peu plus loin, dans la sourate numéro 28, le verset numéro 34. Regardez bien. Mon frère Haroun, lui, il parle mieux que moi. Envoie-le avec moi pour m'aider et déclarer ma véracité. Je crains que Pharaon et les siens ne me traitent de menteur. Et n'oublions pas que toute cette proximité qu'avait Harun alayhi salam par rapport à Moussa alayhi salam est applicable à Ali alayhi salam. Et je vous le rappelle, ici dans le Sahih Muslim, on vient de le lire. Regardez encore une fois pour qu'on en soit sûr. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, lui répondit, n'es-tu pas satisfait d'avoir par rapport à moi le même rang que Haroun vis-à-vis de Moussa, sauf il y a une seule exception, qu'il n'y a pas de prophète après moi. Donc le seul statut que Ali alayhi salam n'a pas reçu est la prophétie. Sinon le prophète sallallahu alayhi wa aurait très bien pu dire, sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi, sauf que je n'ai pas d'assistant, sauf que tu ne parles pas mieux que moi, etc., etc., etc. Mais le prophète sallallahu alayhi wa a bien mis en évidence qu'il n'y avait qu'une seule différence, et ce dans tous les textes que vous pouvez trouver, et cette différence est que le prophète sallallahu alayhi wa a la prophétie, tandis que Ali sallallahu alayhi wa ne l'a pas. Trouvez-moi un seul hadith mettant un compagnon dans la même position que celle-ci. Bien. Nous allons continuer, inshallah, avec un autre hadith qui est très très important également. Que nous pouvons trouver dans le Sahih al-Bukhari, le même volume que tout à l'heure, le volume numéro 2 de l'édition An-Nur, et c'est le hadith numéro 3702. Regardez bien. Concentrez-vous, regardez bien, c'est très important. Salama a dit, Ali, lors de l'expédition de Khaybar, était resté à Médine, en arrière du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, à cause d'une ophtalmie dont il souffrait. Il avait dit, vais-je rester en arrière de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa alayhi? Puis Ali se mit en route et rejoignit le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. La veille au soir de la matinée pendant laquelle Dieu assura aux musulmans la conquête de Khaybar, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa alayhi, dit, je donnerai le drapeau, ou suivant une variante, prendra le drapeau demain, un homme que Dieu et son envoyé aiment, ou suivant une variante, qui aime Dieu et son envoyé. Grâce à lui, Dieu assurera la conquête de Khaybar. Et à ce moment-là, et à ce moment, nous aperçûmes Ali que nous n'attendions pas. Voici Ali, dirent les fidèles. Et l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui remit le drapeau. Grâce à lui, grâce à Ali, Dieu assura la conquête de la forteresse. Regardez et comprenez encore une fois l'importance de Ali ibn Abi Talib. Ceci est un hadith qui est très imposant. Car non seulement au moment de cette bataille, Ali ibn Abi Talib était malade, était souffrant, il avait mal aux yeux, il ne pouvait pratiquement plus voir. À ce moment-là, le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, s'il estimait qu'il n'était pas primordial que Ali alayhi salam soit présent lors de la bataille, il aurait très bien pu désigner quelqu'un d'autre, ou même ne désigner personne et prendre lui-même l'étendard. Mais ce qu'il a fait, c'est que par un miracle, il a réussi à guérir Ali alayhi salam. Et nous pouvons le voir dans le Sahih Muslim, au hadith numéro, donc c'est la même édition que tout à l'heure, le même tome,
Au hadith numéro 6223, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, annonça le jour de Khaybar, je remettrai certes cet étendard à un homme auquel Allah accordera la victoire, qui aime Allah et son messager, et qu'Allah et son messager aiment. Les gens passèrent la nuit à s'interroger sur lequel d'entre eux les gens passèrent la nuit à s'interroger sur lequel d'entre eux le recevrait. Au matin, ils se rendirent tous chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, chacun nourrissant l'espoir de le recevoir. Il demanda « Où est Ali ibn Abi Talib ?» Ils répondirent « Ô messager d'Allah, il souffre des yeux. » Ils envoyèrent quelqu'un le chercher et on l'amena. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, cracha dans ses yeux, fit des invocations pour lui et il guérit aussitôt comme s'il n'avait rien eu. Il lui remit ensuite l'étendard et Ali demanda « Ô messager d'Allah, je les combats jusqu'à ce qu'ils soient comme nous. » Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi répondit « Avance à ton aise jusqu'à ce que tu sois sur leur terrain, puis invite-les à l'islam et informe-les de ce qui leur incombe vis-à-vis d'Allah azza wa jal dans cela. Par Allah, qu'Allah guide un homme par ton biais est meilleur pour toi que de posséder des chameaux roux. » Ce hadith, nous pourrions en discuter des heures entières. Alors non seulement on voit que plusieurs compagnons s'attendent à recevoir cet étendard, mais que malgré ça, c'est Ali ibn Abi Talib qui le reçoit. Preuve encore qu'il a une supériorité par rapport aux compagnons. Mais en plus de ça, Ali alayhi salam est malade comme je l'avais dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa alayhi le guérit par un miracle, car il s'agit de l'élément primordial, l'élément qui va permettre aux musulmans de gagner cette bataille. Et nous savons pourtant que parmi les compagnons était présent Omar ibn al-Khattab, qui est le deuxième calife. Nous pouvons le voir ici dans la narration 6222. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, annonça le jour de Khaybar, « Je remettrai certes cet étendard à un homme qui aime Allah et son messager. Allah accordera la victoire par son biais. » Omar ibn al-Khattab dit, « Je n'ai jamais convoité l'émirat si ce n'est ce jour-là. Je me hissais sur la pointe des pieds dans l'espoir d'être appelé pour le recevoir. Mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, appela Ali ibn Abi Talib et lui remit en disant « Marche sans te retourner jusqu'à ce qu'Allah t'accorde la victoire. » Cela prouve certainement que la supériorité de Ali ibn Abi Talib est confirmée par rapport à celle de tous les compagnons sans exception. Un message ici qui est très important. Regardez, je remettrai certes cet étendard à un homme auquel Allah accordera la victoire. C'est Allah Azzawajal qui a accordé la victoire à Ali alayhi salam. Mais en plus de ça, qui aime Allah et son messager et qu'Allah et son messager aiment. Il est facile d'aimer Allah et son messager. Tout le monde aime Allah et son messager. Notre degré d'amour par rapport à Allah Azzawajal et le messager sallallahu alayhi wa alayhi peut certes différer d'une personne à une autre, mais en tout cas, nous ressentons tous de l'amour pour notre créateur et pour son dernier prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Mais ce qui est plus compliqué, c'est qu'Allah et son messager l'aiment. Il est difficile d'avoir cet amour en retour, car il faut savoir qu'Allah Azzawajal n'aime qu'une certaine catégorie de personnes. Il n'aime pas tout le monde. Regardez ce que dit le Coran Karim par rapport à ça. Étant donné que j'ai beaucoup de versets à lire, je ne vais pas à chaque fois citer le numéro de la sourate et le numéro du verset. Mais en tout cas, c'est bien le Coran Karim et tout est présent à l'intérieur. Walhamdulillah. Regardez. Ici, nous pouvons voir « Dieu aime ceux qui pratiquent le bien ». D'accord? Et là encore, confirmation, Dieu aime les bienfaiteurs. D'accord? Ici, nous pouvons voir encore, Dieu aime ceux qui sont pieux. Très bien. Et là, confirmation de cela, Dieu aime ceux qui sont pieux. D'accord? Ici, Dieu aime ce qui endure, et entre parenthèses, et patiente sur son chemin. Ce qui veut dire que toutes les personnes qu'Allah Azzawajal aime, forcément et sans discussion, Ali alayhi salam en fait automatiquement partie. Puisque Ali salawatullah wa salam alayhi est une personne qu'Allah Azzawajal et son messager aiment.
Et regardez ici, dans ce verset-là, croyant, quiconque parmi vous apostasie, Dieu fera venir des hommes qu'il aimera et qu'il aimeront, humbles envers les croyants, fiers et puissants envers les impies. Ils combattront sur le chemin de Dieu et ne craindront le blâme que quiconque blâmerait. Telle est la grâce de Dieu, il la donne à qui il veut, Dieu est munificent et omniscient. Donc Dieu fera venir des hommes qu'il aimera et qu'il aimeront. Et ces hommes sont comment? Sont humbles, sont fiers et puissants envers les impies. Donc forcément, l'imam Ali alayhi salam fait partie également de ces hommes-là. Regardez encore ici. Et Dieu aime ceux qui se purifient. D'accord? Un peu plus loin. Et Dieu aime ceux qui sont équitables. Un peu plus loin encore. Dieu aime ceux qui sont équitables, encore une fois. Et pour finir, Dieu aime ceux qui combattent sur son chemin en rang comme s'ils étaient un édifice de plomb. Très bien. Voyons maintenant, regardons les personnes que Dieu n'aime pas. Car ça voudra dire qu'automatiquement, Ali alayhi salam ne fait pas partie de ces personnes-là. Regardez. Ici, Dieu n'aime pas l'insolent vantard. Encore une fois, un peu en arrière. Dieu n'aime point tout présomptueux plein de glorioles. Encore en arrière. Dieu n'aime pas ceux qui sèment la corruption. Encore une fois. Dieu n'aime pas le traître ingrat. Un peu moins loin. Dieu n'aime pas les traîtres. D'accord, c'est pareil. Un peu moins loin. Et Dieu n'aime pas les corrupteurs. On en a déjà vu aussi. Un peu moins loin. Dieu n'aime pas les insolents vantards, encore une fois. Ici, je pense que ce sont les ingrats. Dieu n'aime pas les injustes. D'accord. Dieu n'aime pas les impies. Dieu n'aime pas l'ingrat enfoncé dans les péchés. Et pour finir, Dieu n'aime pas les transgresseurs. Très bien. Donc cela veut dire que l'imam Ali, alayhi salam, je le répète, est totalement exclu de ces qualifications. Et vous allez me dire, oui, mais il suffit d'avoir une seule qualité parmi celles-là pour être aimé d'Allah Azzawajal. Il suffit par exemple que je sois, je ne sais pas moi, pieux. Dieu aime ceux qui sont pieux. Et voilà, je suis aimé par Allah Azzawajal. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais Ali alayhi salam avait toutes ses qualités en même temps. Vous savez pourquoi? Car il était la créature la plus aimée d'Allah azza wa jal. Ce n'est pas seulement une créature qu'Allah azza wa jal aime parmi d'autres. Non, 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 non. Même l'amour d'Allah subhanallah wa ta'ala était plus concentré sur Ali alayhi salam que n'importe quelle autre, attention, créature. Je ne parle pas d'homme seulement, mais créature. Et cela peut être confirmé dans une narration qui se trouve dans, encore une fois, le Jami' at-Tirmidhi, le volume numéro 6, comme tout à l'heure. Il s'agit du hadith numéro 3721, où nous pouvons lire « Anas ibn Malik said, there was a bird with the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi. So he said, O Allah, send to me the most beloved of your creatures to eat this bird with me. So Ali came and ate with him. » C'est un hadith qui est Hassan. Donc, il y avait un oiseau avec le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Alors il dit, O Allah, envoie-moi le plus aimé de tes créatures pour manger cet oiseau avec moi. Et Ali vint et mangea l'oiseau avec lui. On peut voir ici un petit commentaire. And this hadith has been related through more than one route from Anas. Donc ce hadith a été relaté par plus d'un chemin, plus d'une route que celle de Anas bin Malik. Ce qui veut dire donc que toutes les qualités que j'ai lues ici font toutes partie en même temps du caractère de l'imam Ali alayhi salam. Car il est la créature qui est la plus aimée d'Allah Azza wa Jal. La question à se poser désormais
est de savoir si nous avons encore le choix d'aimer ou de ne pas aimer Ali alayhi salam. Et la réponse est non. Si nous nous considérons comme étant de bons croyants, il nous faut obligatoirement aimer Ali alayhi salam, puisqu'il a été la créature qui est la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Détesteriez-vous quelqu'un que Allah azzawajal aime? Non, je ne pense pas. Et le contraire non plus, vous n'aimeriez pas quelqu'un ou quelque chose qu'Allah azzawajal déteste. Il en va de même pour Ali alayhi salam. Et d'ailleurs, celui ou celle qui manifeste la moindre haine envers l'imam Ali alayhi salam est considéré comme un hypocrite.